TikTok. On connaît tous de près ou de loin, peut-être trop parfois TikTok si on y est addict. Est-ce que vous connaissez les TikTok qui ont zéro vue? C'est la deuxième fois qu'on fait ça sur la chaîne. J'ai préparé des choses qui sont juicy. On va plonger dans le monde incroyable de TikTok. C'est parti. Quel est ce TikTok? Vous savez, quand c'est marqué PV, ça veut dire que c'est français et HP, ça veut dire que c'est anglais. Mais... il est trop mignon. Attends, mais il est en train de nous montrer ses cartes Pokémon. J'ai jamais ça dans App For You normalement. Est-ce que vous savez si ça change quelque chose à la rareté de la carte? L'innocence. Clem. En plus, il a une image d'extantation. Est-ce qu'il a eu au moins la réponse? Ah, regardez, les commentaires TikTok sont incroyables. Le gars a eu la réponse. Alors qu'est-ce qu'il poste sur son compte Clem? On a un TikTok qui a une vue. On va vraiment être les premiers à le voir à part le mec. Ah ouais. Regardez comment il est malin Clem. C'est un businessman Clem. Qu'est-ce qu'il fait Clem? Eh ben, il essaye de rentrer dans le financement TikTok là. Le truc où tu peux gagner de l'argent. J'utilise le son car il perce. Ah, il en a plus rien à faire. Attends, qu'est-ce que c'est ce TikTok? Mais... Non! J'ai cliqué sur le truc! Non, j'ai cliqué sur le truc! Oh, je suis horrible! J'ai cliqué sur le doigt d'honneur! Oh non, je suis horrible! Je te jure, Clem, j'ai pas fait exprès! J'entre dans l'octogone, je veux pas perdre de temps. Je vais briser tes os et puis boire ton sang. Un niveau like, c'est quand même un peu la hesse, Clem. Je sais que moi aussi j'utilisais mon chien pour faire des vues, mais quand même. Ah, on a un pote à lui qui dit wesh Clément. Alors attends, Clément, qu'est-ce qu'il fait son pote Louis? Voici mes passions. Alors, c'est pas l'orthographe, hein. Donc c'est quoi, c'est de la carte? Ok. J'adore, ces passions sont très précises. Moi aussi j'ai une passion pour la carte. C'est un poisson harmonieux honnêtement. Merci Louis. Venez le 23 janvier, on crie tous Xtentation. Mais attends, mais pourquoi il y a des gars qui écrivent dans les commentaires? Je suis né le 24, le 23 c'est mon anniversaire. Ok, pour lui rendre hommage. Non mais là on est allé trop loin. Mes yeux piquent. Et pourtant, je sais que c'est facile de cracher sur l'orthographe. Je sais. Hommage à U. C'est pas lui rendre un hommage avec Xtentation de décrire comme ça, vraiment. Ouais, une fille qui joue, elle décrit. Parce que c'est un fin, là. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Drôle. Ma vie, la vérité. Bah j'ai hâte de découvrir ta vie, frérot. Ouais, doux. Ah, y'a Zouglou qui est doux. Zouglou est doux. Ça me tue, le mec il fait des petits freestyles. Alors, les 4 points. Les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ouais. Mais pourquoi les centres n'est pas dedans? Pourquoi les centres n'est pas dedans? Non mais il a raison. Nifmoud. Nord, sud, est, ouest, il n'y a pas le centre. Ça devrait être les 5 points cardinaux. Oh, je crois qu'il parle du corona. Il y a corona ou Waïsa ou en salant l'école. En fait, comment porter cache-nez? Bah oui, il suffit de porter un cache-nez. Mais c'est 10 fois mieux de dire le mot cache-nez que le mot masque. Enfin, c'est un cache-nez et bouche, hein. Cache ta bouche aussi, Nifmoud. Alors, on est sur un compte assez random. Ça s'appelle User, ok. Voilà, on est revenu. On a fait combien de kilomètres, Mireille? Mireille n'a pas l'air de savoir. En tout cas, il neige. Ah, c'est beau. On est trempé et gelé. Je m'étonne. Merci, Josiane. Comme ça, on le sait. On te souhaite... d'avoir un bon manteau. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre balade cette fois-ci? Mais là, vous voyez pas, mais... il neige. Il neige? Waouh! Il neige sur Auxerre ou Auxerre. C'est pas dire le nom de la ville, ça me bute. Bon bah moi je suis parisienne. Ah! Ah bah oui, il fallait la petite phrase à la fin. Ouais, mais moi je suis parisienne donc. Alors là le film des canards. Les pauvres canards, emportés par le courant, ils nagent à contresens. C'est dur hein, la vie de canard hein. Non. Ça me tue, elle commande tout genre. Voilà, je vais faire ma première vidéo avec une amie. Putain, je vais être son deuxième live. Nous attendons la deuxième. Grosse dédicace à Josiane. Force à toi, Josiane. J'espère que la marche était bonne et que tu n'as pas attrapé froid. Oh putain, honte, il y a un truc là. Je suis obligé de vous le partager. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en février-mars. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 jours, je me suis fait défoncer par des moustiques. Normalement, les moustiques, ils sont là quand il fait chaud. Ne serait-ce que sur mes deux mains, je dois avoir 10 boutons. Les boutons que j'ai, ils sont entre les doigts, donc c'est horrible. Je vous aurais aussi raconté ma vie. J'essaye de m'inspirer des meilleurs, c'est-à-dire de Josiane. C'est horrible. C'est vraiment la pire sensation. Ah, c'est horrible d'avoir des boutons entre les doigts. Faut que j'arrête de me gratter. On ne se gratte pas, Hugo. Laisse-toi transcender par les TikTok, c'est du grand art. Fleur fragile 66. Qu'est-ce que tu postes, fleur fragile? Je ne serai pas ton 61ème like, fleur fragile. Je suis désolé, ça m'a donné encore plus envie de me gratter mes boutons de moustique. Horrible. Oh,
et j'en ai fait des trucs bizarres, mais mettre des bonbons entre les mes doigts de pied, non, y a rien de sympa dedans. Enfin, les gens dans les commentaires sont morts, mais je comprends pas. Y a un gars, il a mis dans les commentaires, tu t'es abonné à moi, mais je sais pas si je veux voir des pieds dans mes pour toi, mais tu m'étonnes. Écoute, on va partir très vite d'ici. Je profite de ce moment fort en émotion. Je sais qu'il y en a, c'est moins leur délire, mais si vous aimez les vieux TikTok et que vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes comme ça où on se perd sur l'application, cliquez sur le pouce bleu. Vous connaissez les bails, YouTube est bien fait. Si tu likes pas la vidéo, tous les prochains bonbons que tu mangeras passeront dans ces doigts de pied. Ah, c'est horrible. Ah, je l'aurais dit, c'est dégueulasse. Alors là, on a le compte de compte MDR1. Si ta main bouge, c'est que t'es raciste. Test 100% fiable, hein. Attention. Hein. J'espère pas que tu bouges, frérot. Ah, ok. Comique, comique. Alors, on est sur le compte de Miguel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Miguel? Est-ce le compte caché de Michou? Ça me tue. Oh merde. Mais tu sais à quel point tu comptes pour moi, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Oh merde, mais tu sais que tu es ma vie, je t'aime mon bébé koala. Un peu gênant, non, pour TikTok. Il a mentionné sa copine. Oh putain, non, elle a pas de... Non, j'ai le seum. Y'a quelqu'un qui a mis en commentaire genre un emoji pas content avec le cœur brisé. Et le gars, il a répondu au calme. Mais je t'ai dit que j'étais polyamoureux, donc je vous aime les deux. Ah ouais. Mimi la tortue, il a pas de temps à perdre en fait. Tu parles qu'elle t'a enlevé ma pub. Excuse-moi mon bébé, je suis désolé, pas grave. Je t'aime, moi aussi. En quelle année ils sont nés? On va encore dire que c'est de la faute des 2010, les pauvres. Ah, je leur dis, si vous êtes de 2010, force. Hein. Peut-être que c'était mieux de changer ça en DM qu'en commentaire public. Bon, après, qui suis-je pour faire le community manager de Miguel? Le monstre, hein. C'est le monstre. D'ailleurs, il nous a expliqué pourquoi est-ce que c'était un monstre. Je suis seul parce que je suis un monstre. Ok, la dernière fois, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé leur compte TikTok. Vous savez ce qu'on va faire. Ils m'ont envoyé son TikTok, regardez ce que c'est la caption. Non. Et le gars crie en même temps par-dessus, c'est pas possible. Il en a fait 1000 sur Marine Le Pen. Non mais gros. Gros. Attends, je rêve. On m'a envoyé un compte qui s'appelle Les Pisseurs Fous. La bio du compte, c'est On Pisse Partout. S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est ce que je pense. J'avoue, là, on n'est pas sur des vidéos qui ont 0 vues. On est sur des vidéos qui ont 198 vues, 600 vues. Mais on est obligé de cliquer. On est obligé. Vais-je devoir flûter? Non, mais c'est pas... Non, il met de l'eau. Non mais il urine vraiment, j'ai honte, j'ai honte. Mani. Non, c'est stupide. C'est stupide, irrespectueux, mec, y'a des gens qui vont nettoyer. Les mecs ont mis en caption de leur première vidéo, voici notre premier membre, Kékette, qui fouette. Ça me rappelle la vidéo qu'Antoine Daniel avait montré dans What the Cut à l'époque, vous vous rappelez pas? Gotta go. Gotta go. Pipi. On se barre? On arrête, hein, c'est bizarre. Je suis encore plus haut de plein d'endroits de TikTok. Si vous en avez d'autres à me recommander, vous savez quoi faire, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain à 18h03. Je vais nettoyer mon cerveau de ces images horribles de pieds que j'ai vues. Ah, on est plus en 2015, hein, c'est fini le délire des pieds, hein. Putain, mais arrêtez de prendre vos pieds en photo, sérieux. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like this, about as good as it gets. Do it like this.